Non, non. Messieurs, pas un mot. Buvons d'abord. Et maintenant, un toast à notre chasse. Mes compliments, mon cher Franz, quand le sanglier a foncé sur vous... Franchement, on pouvait se demander qui était le plus sanglier des deux. Quoi? Une dépêche pour Monsieur le Duc. Une dépêche? Quand est-elle arrivée? Ce matin vers 9h, Monsieur le Duc. Et c'est maintenant que vous me la remettez? Voyons, Franz, en pleine forêt, comment ce brave garçon aurait-il pu nous retrouver? Moi, là-dessus, j'ai ma doctrine. En général, une dépêche n'est urgente que pour celui qui l'envoie. Rien de grave, j'espère. Il s'agit de ma femme. Mes enfants. Oh, pardon. Faites s'atteler, immédiatement. Oh, mais, cher ami, bien entendu, ma voiture et mon cocher sont à votre disposition, mais vous êtes à 300 km de chez vous. En voiture, il vous faudra 100 ans. Je ne vois qu'une seule solution, le train. Il y en a un demain à quelle heure? 7h50, monseigneur. Faites atteler pour monsieur le duc demain à 7h. Permettez-moi de vous renouveler ma question. Rien de grave, puis-je vous aider? Monsieur le Duc, Madame la Duchesse m'avait dit qu'elle partait pour toute la journée, qu'elle allait chez Madame votre tante. Le temps était parfait. Monsieur le Duc voudra bien m'accorder que je n'avais aucune raison de m'inquiéter. Pourtant, vers 7h30, par écrit de conscience et craignant de me faire danser, j'envoyais un homme à cheval. Imbécile! Imbécile! C'était 10 hommes qu'il fallait envoyer! Monsieur le Duc! Dans toutes les directions! L'ordure. Mes pinces. Mais faire ça! Ah! Jusqu'au sang. Jusqu'au sang, je le lui ferai. Payer jusqu'au sang. Monsieur le Duc. Allez me chercher, mademoiselle Gilou.
mademoiselle, vous avez devant vous l'homme le plus malheureux du monde. Monsieur le duc, je suis désolée. C'est ma faute, c'est ma faute. Tout est de ma faute. Ma femme a voulu me donner une leçon et je l'ai méritée. L'autre jour, nous avons eu un différend. Sans gravité. Enfin, sans gravité de ma part. Mais qui a pu la blesser. Lui faire de la peine. Vous me connaissez. Bon cœur, mais... Vite. Irrité. Et maintenant, je n'ai plus qu'une hâte. C'est de me jeter à ses pieds et me faire pardonner. Où est-elle? Ça, je n'en ai pas la moindre idée, monsieur. Allons donc. Je vous assure. Regardez-moi dans les yeux. Un si joli visage ne peut pas mentir. Je vous jure que je ne sais rien. Mademoiselle, vous tenez mon sort entre vos mains. Et celui de ma femme. Celui de mes enfants que vous aimez tant. J'ai cru parfois deviner entre nous une certaine sympathie. Une certaine attirance. Comme si vous, au moins, vous me compreniez. N'aurez-vous point pitié? Si ma femme vous a fait jurer le secret, elle serait la première maintenant devant mon désespoir à vous demander de le rompre. Non, il n'y a aucun secret entre nous. J'ignore où elle est. Un départ comme celui-là ne s'improvise pas. Il a dû y avoir des préparatifs. Ne vous en êtes-vous pas aperçu? Non, rien. Vos parents habitent Paris, je crois. Oui. Ne vous a-t-elle pas demandé leur adresse ou les renseignements sur la France? Non, jamais. Elle avait avec vous des longues conversations. Voulez-vous me faire croire que jamais elle n'a laissé échapper une allusion, une indication? Non, rien de tel. Un nom de ville? Un nom de pays? Non. Ou peut-être. Peut-être. Il est vrai qu'elle m'a parlé de Rome. De Rome? Ah, tiens, à propos de quoi? À propos d'un voyage en Italie et du souvenir qu'elle en avait gardé. Ah oui. Rome. Rome, hein? Là, vous voyez que vous êtes sa complice. Rome, hein? Rome! Me prenez-vous pour un crétin, aussi crétin que vous deux réunis? Le doute qu'on fait semblant d'oublier, la confidence arrachée par mes gardes, et le pauvre idiot qu'on envoie à perdre son temps à Rome. Où est-elle? Dites-le-moi. Je jure que je n'en sais rien. Dites-le-moi. Non. Ah, je sais que vous le savez. Je vous jure que je n'en sais rien. Je le sais. Dites-le-moi. Dites-le-moi ou je vous tue! Je vous tue! Je vous tue tout d'un coup. Je vous tue tout d'un coup. Monsieur, vous voilà réveillé. Eh bien, pour un petit somme, vous avez fait un petit somme. Ça fait 2 jours entiers. 2 jours. Mais nous n'étions pas inquiètes. Le docteur nous avait dit une bonne nuit et tout sera oublié. Au lieu d'une, vous en avez eu 2. Ce sera 2 fois oublié. Où sont mes enfants? Non. D'abord, ce bon bouillon. Pas un mot avant le bouillon. C'était une prescription du docteur. Je voudrais voir mes enfants. Buvez. Vous sentez-vous la force de vous lever? Oui, je crois. Là, vous voyez?
J'ai appris les bonnes nouvelles. Que vous vous étiez levé et que vous n'avez rien laissé sur le plateau. J'étais sans inquiétude, d'ailleurs. Le docteur l'avait bien dit. Vous êtes de bonne race. De la race qui ne se porte jamais si bien que dans les tempêtes. Ma mère, je ne sais comment vous remercier pour toutes vos bontés. Quelle bonté ? La recommandation de frère Théo suffisait ? Mon enfant, je vous recommande les deux premiers repas légers. Très légers. Après, vous mangerez ce que vous voudrez. Après ? Je n'ai pas besoin, je pense, de vous dire que vous pouvez rester ici aussi longtemps qu'il vous conviendra. Merci, ma mère. Vous ne pouvez pas savoir le bien que me font des paroles comme les vôtres. Mais je dois repartir. Ici, vous êtes en sûreté. Personne n'osera venir vous y chercher. Aucun pouvoir. C'est ma liberté que je dois trouver. Et ici, n'êtes-vous pas libre? Non. Ici, je suis à l'abri. Ce n'est pas assez. Je dois continuer. Mon oncle Théo... Votre oncle Théo? Ben alors vous êtes... Sœur Herménégilde s'occupera d'organiser votre départ. D'ici là, ma sœur, je vous dispense des offices. Et ne craignez pas, si vous le jugez utile, de la mettre au courant. Sœur Herménégilde est si écervelée que dans le quart d'heure, elle a déjà oublié tout ce qu'on lui dit. N'est-ce pas, ma sœur? Certainement, ma mère. Dans sa souveraine bonté, qu'on pourrait aussi bien appeler sa souveraine malice, Dieu permet parfois que, pour un moment, nos défauts deviennent des vertus. Pour un moment, ma sœur, ne l'oubliez pas. Oui, ma mère.